Nous voici pour le 14e épisode du défi Legacy. Donc, on s'était arrêté hier avec le petit Masato qui venait d'avoir une promotion. Les deux loulous là. Par contre, Anakin, je crois que tu pues. Ouais, tu pues. On te lavera quand tu vas te lever. Les deux petits loulous, ben, ils sont toujours très calmes. On attend que la Miss Taguette là donne naissance à son troisième enfant. En espérant bien entendu un garçon, ce qui vous permettrait de pouvoir voter entre les trois. Parce que deux, c'est bien, mais trois, ce serait encore mieux. Peut-être qu'il y aura un quatrième, je sais pas. Je sais pas, ça dépendra peut-être aussi du sexe du bébé. Par contre, niveau prénom, ça va être un peu galère. Donc, je sais pas. Peut-être pour un garçon, je pense une idée. Mais alors, si c'est une fille. C'est une fille, je ne sais pas. Ok. Ben, Anakin, tu continues à faire dodo. Tout le monde d'ailleurs continue à faire dodo. Vu que c'est la nuit. Bartemius qui vient de se réveiller. C'est l'anniversaire de Bartemius. Ben, c'est cool, il va pouvoir grandir, il va pouvoir voir sa bouille. Par contre, il est 7h du matin. Tu vas pouvoir te lever, toi. Ma chère chouette qui est tout le temps fatiguée, là. C'est vrai que elle, c'est très pénible. Parce qu'elle est tout le temps fatiguée. Pourquoi tu pleures, Bartemius? Je vais essayer de redormir, aller comprendre. Tu vas donner un bain à Anakin. Il se réveille. Eh ben, tu vas attendre. Écoute, maintenant, tant pis, je m'occupe de ton frère. Il faut pas me casser les noisettes, petit Bartemius là. En plus, c'est juste ta couche. Ouais, ta couche, donc tu vas attendre. Donc, toi, tu donnes le bain à Anakin. Masato, t'es rentré plus tard, du coup. Oh bah. Écoute, t'es bien en énergie aussi. Tu vas t'occuper du deuxième. Tu vas nourrir au biberon et tu vas le bercer. Comme ça, tout sera fait. Et le petit Anakin, il prend son bain et il en met partout. On peut désormais prendre un congé. Non, tu prends pas de congé. T'as besoin de faire pipi, ben. Oui, ben termine de t'occuper de Bart, tu pourras aller faire pipi. Et quand tu auras fait pipi, tu vas me cuisiner à manger. Encore des pâtes au fromage. C'est la famille pasta fromage. Elle a besoin de pisser aussi. Bah, tu vas manger en attendant. De toute façon, tu vas finir par te pisser dessus. Au pire, écoute, ça ne te changera pas. Anna. Non, c'est. Non, je crois pas. Par contre, tu vas faire aussi, toi. Tu vas manger dans ta chambre. Hop, prendre une portion. Elle va manger. C'est l'heure du petit-déj pour tout le monde. Bart, tu fais dodo, c'est parfait. T'as pris la portion, Anna? Ouh, le jeu. Merci. Hop. Lâche. Ça, c'est bon. Toi, bah, t'as fini par te pisser dessus. C'est bien ce que j'avais dit. Tu mangeras après. Tu vas aller prendre une douche. Très embarrassé, ben ouais, ben t'avais qu'à y aller avant. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au cas où, Masato, je veux rien dire, mais on a une table avec des chaises. Bon, d'accord, on a qu'une toute petite table et deux chaises, mais ils sont quand même là, quoi. Donc, bon. J'ai mis. Voilà. Ouh, le jeu. Merci. Bon, ça va, toi, c'est bon. Tu as faim. Tu vas manger. Voilà. Anna, tu vas me déposer ça. Et attends, peux voir tes compétences.
Ça sert trop à rien de l'augmenter maintenant. Tu vas continuer la réflexion. La réflexion, c'est ce que tu es le plus haut. Barthémius, tu attends 2 minutes. Toi, quand tu auras fini de manger, tu iras me continuer ta toile que tu n'avais pas finie. Et toi, si tu pouvais te dépêcher. Ok, c'est parfait. Stop. Attendez, 2 secondes. Faisons les choses bien. L'assiette dans la poubelle. Mourir, revivront et verser. De toute façon, à mon avis, il pleure parce qu'il va grandir. L'accouchage, je crois. Non, tu. Vous savez que j'avais vu de la fumée. Masato, tu peux, merci. Masato, tu vas me nettoyer la baignoire. Il n'y a pas des flaques? Si, tu vas me suer la flaque. Je ne supporte pas les maisons quand elles sont dégueulasses. Donc voilà. Dominique, non. Ok, stop. Pourquoi tu fais encore ça? T'as encore besoin d'épicer ou quoi? Ben non, tu vas faire ta toile et puis c'est tout. La fatigue qui descend énormément, elle, c'est terrible. J'ai jamais eu Asim qui était autant fatigué. Oh, Son ventre encore plein à exploser. Alors, stop, le travail de Masato commence dans 1 heure. Merde, t'as pas fait tes trucs. Peux voir. Préparer des boissons ou du repas. Ah oui, c'est vrai, je t'ai fait quand même faire un repas. S'entraîner à préparer des boissons. Non, préparer une boisson, sa boisson préférée. Préparer une boisson, sa boisson préférée. Oui, on m'a dit de lui faire lire pour augmenter la compétence, mais non. Parce que si je lis, ça augmente la compétence, d'accord, mais ça n'augmente pas ici. Du coup, en lui faisant faire Oh, les boissons, ben, ça augmente les deux. Et la compétence et la tâche du jour. Et surtout, c'est plus rapide. Stop. Tu veux quoi, toi? Regardez le bambin. Non, tu lui fous la paix. Il va très bien, ton bambin. T'es qui, toi? T'es qui? Yumiko Flex. Eh ben, enchanté de te connaître. Ou pas. Tu vas me refaire des toiles lunettes, toile classique. Ok, c'est bon. Très embarrassée. Je vérifie quand même qu'elle ne devienne pas mortifiée parce que sinon elle peut mourir. Ok, c'est bon, elle est confiante, elle a enlevé le trait d'en bas. Mais toi, t'es tendue. Annonce de naissance, je m'en fous. Barthémius, c'est un peu pénible aujourd'hui. Par contre, toi, t'es pas obligé de boire, hein. Dans la poubelle. Ok. Oui, t'es tendu, mais je m'en fous. Par contre, c'est l'heure du travail, Massa. Alors, tu déposes et tu vas au travail. T'as fait que 75%. Bah, fini là, peut-être, non? Bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Tu l'as mis où, le verre? Bah, tu vas travailler dur, même si t'es tendu. Je m'en fous. Par contre, Barthémius, tu me casses les oreilles. Toi, tu termines vite ta toile et tu vas t'occuper de ton gamin parce qu'il pue. Je le vois jusqu'ici. Christophe, non. Je crois que je vais l'inviter sur le terrain et le tuer. Elle a encore besoin de pisser. Ok. Alors, stop. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, stop le jeu. Merci. Changer la couche sale. Voilà. Tu vont. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? T'es qui toi? T'es Romain Dubois. Eh ben tu restes où tu es de Romain. Elle est encore fatiguée. Elle est pénible à être fatiguée tout le temps. Par contre, tu vas me refaire une toile. Si tu auras ton niveau 10, 9. Allez, on est tous avec toi, on y croit. Oh mais purée, Bart, non. S'il pouvait grandir, ça m'en. Ça me permettrait. Niveau 9, c'est cool. Ça me permettrait de pouvoir m'en occuper et ne pas tout avoir besoin d'un adulte. Comme pour Anakin, qui est bien sage dans son coin.
Bah, c'est endormi, c'est cool. Bon, on va comment augmenter la compétence logique maintenant. Même si je suis quasi sûre qu'on va me demander le niveau 10 de la compétence pâture pour arriver au niveau 10 de la carrière. Ok. Toi, nourrir biberon, la couche on avait fait. Et le bercer pour le rendormir. Allez. Allez, Bibi. Oula. Allez, gousi-gousi, poutou-poutou. Oui, c'est bien. Et pourquoi il pleure encore? Ça va, c'est bon? T'es calmé? Qu'est-ce que je voulais faire? Il reste plus que la compétence logique à monter. Mais tu es crevé. Tu vas aller me dormir 5 minutes. Marcus non plus. Je vais pas te la laisser dormir beaucoup. Frère pleure. On va le laisser pleurer. De toute façon, il va bientôt grandir. Réfléchir à une stratégie. C'est Anakin, j'aurais bien voir ses besoins parce qu'il ne demande jamais rien, ce gamin. Et il est mort crevé. Tu vas dormir. T'as besoin d'attention. Non, par contre, tu vas. Tu utilises une couche, écoute. Va dormir. Il est presque 8 h, c'est l'heure parfaite pour aller dormir. Dépose ta tablette. On va pas faire dodo avec la tablette. Stop, où est-ce que tu vas toi exactement? Tu vas encore dormir, mais non. Et t'as encore besoin de faire pipi. Ouh là là. Par contre, je sais pas pourquoi il pleure celui-là. Non, pas l'été. Au biberon. Hop, au biberon. Et tu le berces. Ok, allez, tu te dépêches, s'il te plaît. Alors, ça peut. Je vais encore te faire réfléchir un petit peu. Pourquoi jouer? Pourquoi tu peux pas réfléchir? Bah, si t'as envie de jouer, écoute, joue. Tant que ça fait augmenter ta compétence, moi, c'est pareil. En plus, elle est concentrée. C'est génial. Elle était. Juste comme je le dis. Elle était concentrée. C'était génial. Oh, ta gueule, Bart. Désolée, mais là. Ah, il me pompe, cet enfant. Il était si calme. Ok, tu vas manger et aller dormir. Prendre une portion et dodo, c'est l'heure. Toi, divertissement, tu vas jouer un petit peu. Jouer, voilà, et puis tu pourras aller dormir. J'ai du bois, c'est cool. Et non, sérieux, franchement, Bartimius, là, tu me casses les noisettes, pour ne pas dire autre chose. Alors, toi, t'en es où dans le divertissement? Logiquement, ça monte assez vite. Hop, 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 hop. Bon, c'est cool, voilà, c'est bon, t'es déjà dans le jaune. Changer la couche sale et tu peux aller dormir. L'autre, là, qui s'est vautré par terre, c'est bien. J'ai jamais vu un Sim autant fatigué. Même avec les grossesses, etc., dans mes autres parties, j'ai jamais vu assez autant fatigué, tout le temps. Elle est tout le temps fatiguée. Ok, c'est bon, tout le monde est au lit. Il est minuit, j'ai enfin réussi à mettre tout le monde au lit. J'ai oublié de remettre mon chronomètre. Voilà, c'est bon. Il y en a un qui a oublié la porte du fric, qui a oublié le frigo. Vous avez oublié le frigo. Vous avez oublié de fermer la porte du frigo. Et elle a besoin de pisser. Tu peux fermer la porte du frigo? Ça, j'avais jamais vu. La porte du frigo qui reste grande ouverte. D'ailleurs, ça mérite une photo. Ok, voilà. Stop. Bon. Bart qui pleure pour pas changer. Nourrir au biberon.
Il est temps qu'il grandisse cet enfant, moi je vous le dis. Ok. Alors, ah ben voilà. Finissez de le dire. Alors, il me faut que je prenne ma petite application, si mon iPhone veut bien. Voilà. Donc, il me faut sa son trait de bambin qui va être dadadam, indépendant. Il est indépendant, cet enfant. Ok. Alors, ta bouille. Élève-toi que je veux voir ta bouille. Bon. Je veux voir ta bouille si tu ressembles à ton frère et à ton père. Eh ben, c'est le portrait de son petit frère, de son grand frère. J'aime bien sa coupe de cheveux. On va passer en mode sas, le relooker. Même si comment ça. Non, on fera ça dans le prochain épisode. Quoi que non. Hop, on va modifier dans le CUS. Mieux. Attends, 2 secondes, j'ai fait tomber mon petit coussin. Voilà, donc c'est Bartimius. Sa coupe de cheveux, why not? J'ai envie de dire pourquoi pas. C'est trop mignon sur les films, alors. C'est le portrait de son frère. Regardez. C'est le portrait de son frère. Ça, on peut pas dire. On peut pas dire le contraire. Ah, dommage que je l'ai pas en blond, celle-là. Non, blond, t'as dit. T'as dit blond. Ok, Bartimus, tu auras cette coupe de cheveux-là. Est-ce qu'elle est passée pour les autres? Oui, c'est bon. Non, par contre, la tute mini, non. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est ta. Non, non, non. No, on va te mettre. Qu'est-ce qu'on va te mettre? Star Wars, maintenant. Ok. Belle petite chemise. Non, comme ça, il est classe, non? Celle-là? T'as pas une autre couleur? T'as pas dans la tombe de vert? En orange. En orange, elles sont classe. Oh, celle-là. Ah, mais on voit pas bien son bouche avec le pantalon. Yes, on va laisser ça. Et encore la bouille à Masato. Hein. Vous remarquerez qu'ils ont tous les deux pris de leur papa. Pour le dessus. C'était pas celui-là. Ça doit être dans celui-là alors. Oui, c'est celui-là. Voilà. Pas chipoté. Une tutute peut-être. Mais pas la mini, la Mickey, si tu es un garçon. Faut pas déconner. Juste pour le fun, j'ai envie de lui retirer sa tute. D'ailleurs, j'ai envie de lui retirer tout. C'est quand même une tenue de bain. Et alors pour la tenue, ben, on va laisser comme ça. Donc voilà le petit Bartimus qui ressemble à son père également. Voilà, on a modifié le petit Bartimus. On va lui mettre un lit. Il a besoin d'un lit également. Par contre, le berceau, ben, on va le laisser. Vu que. Vu que ben, un autre bébé va arriver. Ou des. Une deuxième tablette. Ouais, le pot, ben, je peux en laisser un. On s'arrangera bien. Ok, leur chambre est prête. Alors, petit Bartimus, t'es trop chouchou. Par contre, t'es fatigué, ça tombe bien parce qu'il est l'heure de dormir. Toi, tu accouches dans. Ok, ben on va avancer l'épisode jusqu'à ce qu'elle accouche. On va avancer, on va continuer, pardon, l'épisode jusqu'à ce qu'elle accouche. Non, par contre, il est 4 h du matin. Tu te plais que t'es tout le temps fatigué, ben non, tu retournes au lit. Ok.
Ça, elle a changé la sa coupe de cheveux. Je sais pas. Ok, tout le monde fait dodo. Sont pas mignons les deux petits frères là? Il y en a deux moins chiants. Par contre, Bart, tu pues encore. Anna, tu pues encore. Regardez-moi ça comme ils sont choux. Choupinoupinou. À mon avis, quand le ou les prochains bébés vont devenir barbares, on va penser à grandir parce que j'aurai plus trop de place. Pour mettre un autre lit. Qu'est-ce qui se lève là? C'est Anakin, qu'est-ce qu'il a? Je vais aller réveiller son père. Je crois pas, non. Il fait quoi que si. Je peux voir parce que... Bah justement, ça tombe bien. Tu vas donner le bain à Anakin parce qu'il pue. Bah Anakin, je t'ai dit. Et après, Anakin mangera. Parce qu'il a faim. Allez. Wadida, hein? Droit. Il pue à crever, Anakin. Ok, ça c'est fait. Bart et Pan font toujours dodo. Ok, ça c'est bon. Alors, Anakin, maintenant, manger. C'est juste. Bah, tu vas manger ici, ça tu réveilleras pas ton frère. Prends une portion. Hop. Toi. Non, stop. Tu vas pas manger, tu vas faire à manger. Tu vas faire à manger. On va changer un peu des pâtes au fromage, parce qu'à mon avis, ils vont en avoir marre. Des œufs bacon, ce sera parfait. Un an de naissance, je m'en tape. Foutu de l'eau, non, ça va, c'est bon. Je vais regarder la salle de bain. Anakin, tu manges, c'est parfait. Ah, a commencé à accoucher. Eh ben, on va mettre pause. Hop, voilà. Du coup. Ok, voilà, on va s'arrêter ici pour l'instant. Le prochain épisode sera donc posté lundi sur YouTube. Je vous laisse donc le week-end pour mettre en commentaire vos suggestions pour le prénom fille, garçon, par C, donc, puisqu'on a déjà A pour Anakin, B, Bartimius. Et ce sera donc par C. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, forcément, je n'ai pas regardé. Du coup, je vous laisse tout le week-end afin de noter en commentaire vos suggestions pour les prénoms, de noter ce que vous pensez, si ce sera une fille, un garçon, combien est-ce qu'il y en aura, etc., etc. Moi, je vous dis à lundi pour le prochain épisode sur ce défi Legacy, en espérant que ça vous plaise. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et qui permet d'être mieux référencé sur YouTube, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et d'activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines posts vidéo. À lundi, bye bye!